Bon, après, il y a Platini. Platini, c'est extraordinaire. Allez, Michel. Voilà. Oui, Michel. Oui, Michel. Oui, Michel. Et le voilà. Alors lui, tu vois, c'est totalement anti-esthétique. Le mec, il a les cheveux bouclés, un peu de bide. Il a toujours eu du bide, hein, Platini. Pas super rapide, mais bon, il y a les coups francs, puis les buts qui marquent à l'appel, régulièrement, avec une régularité métronomique. À chaque fois qu'il y a le match de l'équipe de France, ça va mal, parce que l'équipe de France, c'est pas super. T'attends un geste miraculeux de Platini, et il a toujours... Le summum, évidemment, bon, c'est l'Euro 84. Là, t'attends l'équipe de France, t'attends Michel, puis c'est le mec qui te met 9 buts et tout. Cette époque-là, Platini est le meilleur joueur du monde. C'est... Comme Zidane a pu l'être, mais tu vois, c'est pour ça que j'ai toujours une petite préférence sur, de Platini sur Zidane, c'est pour ça, parce qu'il marquait plus de buts.